Hey, salut à tous et bienvenue dans de la folie Cesartrix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de notre aventure sur Pokémon version Ruby et Saphir en Souling Challenge Random avec Monsieur Mir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Ça va très très bien. Et donc on était arrivé à Symmetronel. On s'en fout en fait. Et parce que du coup, quand on va en bas, normalement, on est bloqué à un moment. Ouais, on est bloqué par un truc invisible. Ouais. Ah, c'est pas en bas? What? Si, on est bloqué quand on va à l'arène. Ouais, à l'arène, ouais. Mais normalement, je crois que c'est aussi en bas. Il y a un monsieur qui est devant une maison. Tu sens le brûler. D'accord. Okay. D'accord. Il y a quoi dans sa maison? On doit aller s'occuper du client. Là-bas, vas-y, Pokémon oiseau. Moi, je veux savoir où il est parti, son oiseau. Ah, mais du coup, il va nous compter la zone, cet enfoiré. Avec le Kecléon. Sauf si on l'a fait avant. On peut la faire avant. T'as le choix, soit la zone d'eau. Ah, bah, on peut pas prendre la zone d'eau. Ah, bah, oui. Du coup, la zone verte. Allez, go. Du coup, le Kecléon. C'est quoi? Je ferme les yeux, je le fais au bruit. Le Kecléon comptera quand même comme une zone. C'est Staros. Ah non, putain, j'étais pas loin. C'est qui? Tentacool. Du coup, Kecléon comptera comme une zone. Kecléon, on le capturera pas. Si. Bah non, puisqu'il est sur la même zone. C'est pas grave. Non, mais je pensais que tu le voulais pas, moi, Kecléon, c'est pour ça que j'ai fait la zone d'herbe. Attends, j'ai... Ah, Sablette. Ah. Sablette et Tentacool. Tu savais que j'avais un Sablette d'Alola sur Pokémon Go? Tu l'as eu en échange avec un cadeau? Non, en œuf. En œuf de 7. Mais les œufs de 7, tu peux les avoir que dans les cadeaux ou tu peux les avoir oui, aussi? Oui, quelqu'un m'a donné un cadeau et j'avais un œuf dedans, il a éclos en Sablette d'Alola. Bon, du coup, Tentacool, moi, c'est bon. Du coup, je vais l'appeler Tentacouille. Sablette. Oh, ça marche pas. Sablette. Je connais pas de belette très très connue. Je vais l'appeler. Tentacool, je vais l'appeler. Entai. Non, ça va être deux fois. Je vais l'appeler. Merde, comment ça s'appelle? Moi je l'appelais Gomuki. Merde, comment s'appellent les trucs là qu'il a? Des tentacules? Voilà, merci. C'est horrible. Du coup, il y a un rocker qui est en fait un ornithologue. Il y avait la meuf aussi que j'ai pas fait. Oh, j'ai pas fait non plus. Oh, gros doudou! Alors, il est où ce rocker? Il est là. Bonjour. Bonjour. Mon Pokémon est fort et les tiens. Alors attends juste, je reviens deux secondes, parce que j'ai oublié d'éteindre mon téléphone et il va se mettre sur OK Google. OK Google. Raconte-moi une blague. Voilà, c'est bon. Oh, ils m'envoient un Dementa. Ah, David. Du coup, normalement... Ouais, là, il y a Pyro qui nous attend. Il y avait quoi sinon dans la zone? Je l'ai un peu accéléré. Il y avait Charmina, ok. Oh, Charmina, c'était cool. Il y avait un Goopix. D'ailleurs, tu savais que j'avais un Goopix d'Alola sur Pokémon Go? Voilà. Je déteste ce mec. Un Hyporoi. D'ailleurs, tu savais que je n'avais pas encore d'Hyporoi sur Pokémon Go? Non, mais si Persian. Si je te disais le Pokémon qui me manque de la première génération. Il me manque deux Pokémon de la première génération. Canardiche Autoros? Non, des Pokémon que je peux avoir. Dracaufeu? Non. Tortank? Non, c'est des Pokémon plus basiques que ça encore. Nidoqueen? Il me manque Lokhlas. Ah, ça la mèche? Lokhlas, d'accord. Et Rafflesia. D'accord, tu savais que Lokhlas, tu pouvais l'avoir en quête dans l'événement aquatique? Ouais, je sais. Tu fallais juste faire évoluer deux coquillas et te laver en quête. Oh, ça la mèche. Moi j'ai eu Boostiflore. De quoi?
J'ai eu Boustiflore. De quoi? En quoi? Bah là, en Kecleon. Ah mais d'accord, mais moi je l'ai pas fait ça. Ah merde. Ah non, moi j'étais dans la zone en fait. Ah non, mais moi j'étais avec Pierre, je pensais que tu étais devant lui. Oh putain. Oh, oh ah, putain. Je m'en fous, c'est récent, je le capture. Hein. Tu te débrouilleras pour capturer un Boustiflore. Je l'ai buté, hein. Ah c'est bon, c'est un Gloopty. En plus ça aurait été un doublon, donc bon. Je vois. Allez, donne-moi le Devonscope. Voilà. Très bien. Super. Ah mais c'est vrai qu'il est pas plante, Gloopty, ni insecte. Il est poison. Oh putain, non! J'ai fait la meuf. Nidorino. C'est bien, Pierre. Mais oh, stop! Elle veut se battre, elle. Kecleon. Le karma, c'est beau. Mangriffe. Bon, j'accélère parce que globalement, elle est nulle. Et moi, j'aime pas me battre. C'est pas bien de se battre. Voilà, hop, je l'ai battu, je retourne à la ville. Du coup, on peut faire l'arène, mais est-ce qu'on la fait maintenant? Ça dépend, t'as envie de perdre quel Pokémon? Bah là, je pense que si on la fait, on perd tout. Hein. Non. C'est une arène de type normal, je crois, de toute façon, au pire. Ah ouais, mais on s'en fout, c'est random. Non, c'est pas normal, à la base. C'est pas normal, à la base? Non, normal, c'est celui de ton père. Ah oui, c'est quoi, alors? Je sais pas, c'est pas vol, ici? C'est pas elle qui a Altaria? Si, c'est, ouais, c'est vol, normalement. Donc, je vais déjà faire le... Le Kecleon qui est devant. Non, tu dois pas le battre, en fait. Ah, il s'en va. Qu'est-ce que me propose le premier tresor d'arène, ah, oui. Juste pour voir si c'est vraiment jouable ou pas? Bah, sauf voir les niveaux, quoi. Oh non, c'est l'arène relou avec les trucs en forme de bite. Alors, comme Pokémon, je m'attendais pas à celui-là. Il me sort quand même un Mewtwo. Niveau 30. Ouais, c'est chaud. Qui m'a fait choc mental. Et bon, qui m'a enlevé à peu près 70 HP. Ah. Moi, il m'a envoyé Magmar. D'ailleurs, tu savais que j'avais Mewtwo sur Pokémon Go? Voilà. Moi, je l'ai capturé pour un pote. Mewtwo, tu l'as pas? Non, moi, je l'ai pas. Je l'ai capturé pour un pote. Pourquoi tu l'as pas? Parce que j'ai pas été invité pour les raids. est-ce que tu veux qu'on l'attende, du coup, la reine? On peut la tenter. Hein. Comme tu veux. Allez, vas-y, on est là pour prendre des risques. Je veux prendre des risques pour mes abonnés. En fait, tu prends des risques parce que je suis là, en fait. Bah, mes Pokémon, ils sont à peine level 30. Hein. J'en ai deux qui sont level 32. Ouais, mais c'est vrai que toi, tu prends des risques, toi. Moi, ça, je peux encore m'en sortir, mais... Allez, go, allez, vas-y, on l'a fait, on s'en fout. Ouais. Ah, moi, je veux juste soigner, moi. Je veux juste faire beaucoup d'aller-retour. Oui, bah, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je vais faire beaucoup d'aller-retour parce que c'est chiant, cette arène. Juste essayer de pas me la soloter avec Brasegali. Alors, qu'est-ce qu'elle a la deuxième? Piquenique. Suicune. C'est pas drôle. Pourquoi j'ai pas fait le boulement? Suicune écume. La base. Heureusement que mon pédobir il reste. Je propose de changer de Pokémon et de mettre Footba devant. Allez, tue-le. Tu sais qui c'est, Footba? C'est Melodelph. C'est trop fort. Heureusement, ils ont qu'un Pokémon à chaque fois, c'est cool. Bon, par contre, tu fais des allers-retours entre chaque dresseur. Non, là, la deuxième, elle a pas eu le temps de m'attaquer, donc... Ouais, mais moi, Suicune, il m'a mis dans le mal. Parce que je fais Electacle, en fait. Ah oui. Et le seul souci, c'est Piaf que... Avec. Ok. Ah bah, c'est RP. Bah, il m'a sorti Cornèbre juste avant. C'est RP qui a le pire avec. Je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Comment on fait? Deoxys. Comment on fait pour passer après? Pour passer en haut? Ouais. Alors le... Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Celui qui est en forme L, tu dois le... Pousser vers le bas. Ouais. Merde, c'est qui m'envoie? Ah oui, Deoxys. Alors, vous allez voir le plus gros débile de l'histoire de Pokémon. Moi? Je comprends pas comment ça marche. Mais non, mais j'ai jamais compris ce truc. Ça me saoule. Comment on fait après? Ah oui, comme ça, d'accord.
Je déteste ces trucs. D'accord. Pas la peine pour aliser notre shampoing de ne pas s'attarder sur ton cas. Ok, d'accord. Qu'est-ce que t'as ? Aquali. D'accord, donc il est mort. Enfin, il est mort. Non, il est encore vivant, le petit. Hein. Je l'ai pas tué non plus. Hein. Donc là, on analyse. Il va falloir faire comme ça, comme bon, ça. Désolé d'accélérer, hein, mais bon, normalement. Comme ça. Non, pas du tout. Il va falloir faire comme ça. Faire comme ça, et pas du tout. En fait, c'est ce que j'avais fait juste avant, c'était bien. Comme ça. Voilà. Tu fais comme ça, t'es obligé de l'affronter. Il reste que la championne, c'est ça ? T'as affronté le rocker ? Ah non. Enfin, le rocker, je dis que c'est un rocker, mais non. Je vais peut-être changer de Pokémon devant, je vais mettre Thérèse. Chanteur. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, je veux pas l'accélérer, lui. Allez, il a que... Ah, il a 3 Pokémon. Putain, il a Moulman. Moulman, cette fois, c'est qui ? C'est Crustabru, toujours. Encore ? Mais comme c'est un mâle... comme okay. C'est un mâle, je l'ai appelé Moul. Pikachu. Moulman. Ah, Pikachu, on l'a pas beaucoup eu, hein, au final. Bah non, il a eu le temps d'évoluer directement, celui que j'avais. Ah oui, t'en avais un, c'est vrai. Oui, parce que moi, tu vois, moi, quand j'ai besoin d'une pierre, moi, je galère pas avec. Draco. Ah, mais Draco, il est pas haut, je suis con, il est dragon. Oh, il a point poison. Non. David. Ouais, en fait, elle est easy, la reine, en fait. On n'est pas encore au champion. T'inquiète. Easy. Easy. Du coup, là, tu fais comme ça. Là, tu passes là. Comme ça. Tu tournes là. Tu montes. Et ensuite, tu vas soigner tes Pokémon. Oh, Miaouss, il a absorbo. Oh. Non. Non. Qui c'est qui est mort? David, je t'aimais, David! Non! Putain, non! Mais j'ai trop... Je suis trop con! On a perdu Franklin? Non, putain, putain de Miaouss! J'ai même pas vu ce qu'il m'a fait! On a perdu Franklin? Voilà. Donc du coup, je vais faire une ligne spéciale pour toi, là, c'est ta ligne à toi. Et ça, c'est ma ligne à moi. Bon, s'il y a quelqu'un qui meurt du poison, ça compte pas, hein, on vous a déjà dit. Du coup, Putain. Du coup, on prend un autre Pokémon ou on reste à 4 Bah enfin... là, honnêtement, je crois qu'on n'a pas de Pokémon au niveau pour... Ok. Je prendrai l'objet de Brasigali après, hein, vous en faites pas. Oh, c'est juste non. Que c'est pas un objet utile pour les autres Pokémon en soi. David, le plus vieux. Et voilà, et on m'insulte moi, hein, et... parce que je perds tous mes Pokémon et tout. Hein. qui c'est qu'on pourrait prendre à la limite personne. Mon plus haut il est 25 là dans la boîte. Pareil. Tu veux prendre ton linceul lourdeau pour après au pire ou pas? Je suis dans l'arène là déjà. Hein. Ah d'accord. Donc là pour moi, après tu peux le prendre. Pire il mourra donc bon. T'as déposé ton bras d'égalité? Ouais. Ok. Bon bah on s'attend devant le champion alors. Ouais du coup maintenant mon top level c'est quand même football quoi. Brasigali, j'aurais eu le temps de jouer 3 épisodes avec. C'est plus que Krabos. Putain, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est ta non, faute. Non je suis dégoûté. Je voulais pas perdre de Pokémon de l'aventure. Et bah c'est perdu. Voilà. Bon attends, je suis pas encore arrivé au champion. Hein. J'ai toujours pas compris comment fallait faire. faut faire ça. Après faut faire ça. Et je me suis bloqué. C'est pas drôle putain. Je me suis bloqué. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé.
On va faire du Brasegali. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve un autre CS Slav. Allez, c'est bon. Ah ouais, moi aussi, pour mon surf, il va falloir que je trouve quelqu'un. Je vais peut-être apprendre surf de suite, parce que sinon, je vais... il va peut-être me ça. Bon, ça peut peut-être me sauver. Trop tard. Je vais l'apprendre à... De toute façon, il avait flash et coupe, donc à l'arrière. Peut-être à Pédobir. Non, Pédobir, il a trop bonnes attaques. Bah, Lagron. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a plus, c'est moi qui l'ai. Même si j'avais encore Lagron, je pense qu'il serait tout le temps en train d'être utilisé. Voilà, je vais l'apprendre. Au pire, sur Kravos. Bon, allez, on fait le champion. Je suis Alizé, champion d'arène de 6 mètres neige. Je suis uni avec le Pokémon oiseau et envolé dans les airs. Même si le combat était exténuant, on l'a emporté avec grâce. Admire l'élégante chorégraphie que mes Pokémon oiseaux et moi avons préparé. Alors, qu'est-ce qu'elle va m'envoyer? Donne-moi Mewtwo ou Mew. Ah, c'est Feu Forêt. Footbar. Flagados. C'est pas déconnant, Flagados, hein. Bon, pour le champion d'arène, j'accélère pas. Sauf si c'est trop chiant, Godin. Moi, j'accélère sur les changements de Pokémon, en fait. Ah, t'as déjà tué un Pokémon? Non, les changements de Pokémon, je veux dire, quand moi, j'échange un Pokémon. Ah, oui. Oula, tue-le, je t'en supplie, tue-le. Avant qu'il attaque avec son attaque, là. Ouais, qu'il attaque avec son attaque. Feu Forêt, il est pas type feu? Feu Forêt, non, il est type spectre. Oh, pourquoi il s'appelle feu? Ah bah, il retire son Pokémon. Tu joues trop stratégique, toi, pour moi. Hein. En plus, tu me sors un Carapuce, là. Alors, elle a pas son Altaria, mais fuck, quoi. Métallos, quoi. Métallos, c'est chaud. Métallos avec paresse. Frappe Atlas. C'est pas, ça fait plus de dégâts si le Pokémon est low. Il est fort en attaque spéciale, Métallos. C'est à moi que tu parles, là? Apparemment, oui. Pisoté. Oh, ça va, il fait pas si mal que ça. Il a absentéisme, Métallos. Hydro. Ça va, il fait pas si mal que ça, Hydroblast. Enfin, si, ça fait mal, mais pas autant que ça, quoi. Alors. Mais ça fait mal. Tu me saoules avec ton feu forêt, toi. Vas-y, Julia. Ah mais elle en a 4 Pokémon. Comment je fais, putain, pour passer ça? C'est quoi qui est fort contre le petit spectre? Je sais jamais si c'est Psy ou Ténèbre ou... Psy, ah. Je crois que c'est fort. Apparemment c'est Psy. On va voir ça. Comment je passe cette merde? Allez. Poussifeu, non mais c'est quoi ces starters qu'il a lui? Voilà, j'ai passé Métallos. Déflagration. Noix de coco. Déflagration, ça va faire mal, ça, sûrement. Mais elle a des gros Pokémon, là. C'est... Mamie Midlife, là, quand même. C'est pas bien, tu sais, Poussifeu. Je suis petit, moi, encore. Hein. Et moi, je me migalose comme un gros con. Bah oui, mais je suis con aussi. Mais ils ont des IV ces Pokémon. On va rechanger de Pokémon. Oh putain! Notre coco séisme. Il me les met tous mid-life quand même, à chaque attaque. Mais stop si je... Normalement, le dernier, ça devrait être ce qui était Altaria dans. À la base, à mon avis, ça va être un niveau 34-35. Hein. Mais il me spam séisme sur mon... Chenipot. Il est relou à spammer séisme. Niveau combien? 32.
C'est chaud, hein. Ça va, c'est jouable. Oh putain, elle utilise encore une hyper potion. Oh, ta bon. Mère. Elle a pas utilisé une seule hyper potion, sûrement. Hein. Mais oui, mais ils sont trop faibles, mes Pokémon, là. Non, putain, coup critique. Nique ta mère. Qui c'est qui est mort? Mais putain, il m'enlevait pas assez de PV pour que je me soigne. C'est qui est mort? C'est Libégon. Ah, du coup, c'est Migalos. Non, mais je sais pas comment je passe notre coco. Parce qu'elle a notre coco en face. Ouais, c'est son troisième Pokémon, il m'en reste encore un. Ah. Bon, ça y est, putain. Oh là là. Un sécateur. Un sécateur 33. Non, mais t'es sérieux? Elle a un sécateur avec assistance. Oh, je lui ai fait un coup critique, j'ai fait le one shot. Ça devrait passer, mais putain, Libégon. Tu vois, on aurait peut-être dû capturer le Kecléon. Non. Non. T'as pas le droit. Qui c'est qui est mort? Putain. Oh. Un PV. Un PV. Non, mais c'est une salope. Elle m'a fait contre. Elle m'a fait contre sur mon mur, ça ringue. Un PV, mec. Un PV. Sur Ursaring? Ouais. Ça aurait été Julia. Putain, mais... Elle a fait contre. Mais genre, elle était dans ma tête. Aïe, aïe, aïe. Ouais, super. C'est marrant, mais Pokémon, ils font niveau 33, 34, 35, 36. C'est beau. Voilà. C'était très intéressant. C'est bon. On sort de l'arène. Je vais déposer moi. Putain, mon Libégon. Et ton David. Oui, David, il a été déposé. Je vais juste prendre... Thérèse. Brazegali pour lui prendre l'objet. Mais tu t'en servais beaucoup de Thérèse? Bah, il était fort. D'accord. Bon, bah, je te propose, du coup, comme la dernière fois, t'avais perdu tous les Pokémon... Et que j'ai choisi du coup les remplaçants, je te propose de choisir les deux remplaçants avant de finir l'épisode. C'est moi qui choisis les remplaçants? Ouais. Je te propose de pas regarder dans la liste des Pokémon morts, parce que sinon c'est de la triche. Je regarde au niveau des attaques. Bon, je pense que je peux déjà prendre mon Coxyclac. Ouais, je vais prendre un Solourdon en vrai. Ça va être rigolo, on va s'amuser. Et je te propose... Oui, je confirme, j'avais bien capturé un Inupio, je m'en rappelle maintenant. D'où c'était. J'hésite entre celui qui est en chemin ardent et toi, route 112. Pourquoi c'est chemin ardent et moi, route 112? Non, mais je veux dire, j'hésite entre chemin ardent et route 112 en fait. Alors. Parce que pour toi, je sais pas qui c'est. Route 112, moi, c'est Yanma. Mm-hmm. Donc, du coup, il évolue pas pour toi. Et chemin ardent? Il est pas dégueu, Yanma. Et chemin ardent, c'est Joliflor. Je te propose de faire le choix entre les deux. Moi, je vais prendre Yanma. Donc, du coup, 112. Ouais. Donc du coup, on va échanger Brazegali avec Galifeu. Ah là là. Je suis dégoûté. Oh, du coup, ça fait combien? 7-2, 8-2. Oh, je suis dégoûté. Bref. Du coup, les amis, c'est pour ça qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on va faire une pause dans le tournage, on va entraîner nos Pokémon parce que ils ont besoin, parce qu'on en a de nouveaux.
Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si ça vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre avec moi le monde de la folie sur la suite de ce Let's Play Cedar Trick. C'est Mir. Bisous tout le monde. Salut.